Après une excellente nuit au centre de Romont, très calme, ce matin je suis à la gare et je devrais avoir deux accompagnants aujourd'hui pour me rendre à Moudon. Vous étiez au couvent hier soir ou bien vous étiez au Chérigan ? Non, j'étais en plein centre de Romont. Ouais, okay. Et c'était un samedi soir. Ouais. Oula. Et à 20h30, je dormais déjà, il n'y avait plus un bruit. Ah, ok, ok, ok. Ah oui, Romont, il n'y a pas de fête parce qu'aujourd'hui, c'est les premières communions. Ah, c'est pour ça qu'il y a du monde. Donc, le train est plein. Ouais, le train est plein parce qu'ils viennent tous pour les premières communions. Ouais, ça se voit, hein, c'est là. Ah là, alors. T'es sur la capsule. Là, t'es sur la capsule. Ouais. Voilà. Alors, ça, c'est l'accompagnant. Virtuel, aujourd'hui. Ouais. Qui nous soutient psychologiquement. Voilà, il sera sur la prochaine capsule. Bientôt au point le plus haut. Et après, il n'y a que de la descente, hein, je crois. Toi, tu l'avais fait en marche arrière, si je puis dire. Et dans la neige. Ah ouais. Alors, tu voyais le chemin, là? Je pense pas, non. Je pense qu'on était... Au GPS. Au panneau jaune, là. Puis ouais. On a la carte Suisse Mobile. Là. Alors les panneaux, d'une manière générale, sont assez précis. Hein. Ouais. Les contreforts du Jura, au fond. Après une petite salade à Curtille, on a repris la route avec Anne-Lise, hein, qui est maintenant seule avec moi parce que Alex est allé prendre un train pour Payerne, un petit peu en raccourcissant à travers les champs pour être sûr de l'avoir. Et puis moi j'arrive à quelques kilomètres de Moudon maintenant. La route est toujours la même, c'est un peu béton-plage, sauf que c'est béton-champ. Donc, à part la bonne surprise des coquelicots qu'on voit dans les prés, tout le reste, ça reste quand même assez chaud avec ces chemins qui sont bétonnés. Mais bon, il y a un peu de brise, ça passe. Bon, de Curtille à Moudon, où j'arrive bientôt. C'est toujours le même chemin, il suit la broie, c'est des petits cailloux qui se mettent dans la chaussure de temps en temps. Et puis c'est assez monotone, c'est vraiment 3-4 km, voire plus, sans vraiment de changement de rythme. Voilà. Donc je suis content d'arriver à Moudon. Et puis c'était comme hier, une longue promenade. Alors ce soir c'est camping à Moudon, c'est... Demain, c'est la dernière étape pour aller à Servion. Il y a 14 km, pas mal de montées, mais disons, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu. Et puis, voilà, j'aurais fait les 350 km environ que représente ce chemin. Excellente expérience, beaucoup de retours vers la nature, ça m'a fait très plaisir en fait. Et puis là, je côtoie en fait la Broye au camping du Grand Pré à Moudon.
Départ de Moudon, assez tôt pour éviter la pluie cet après-midi, mais je serai à la maison certainement avant. Et puis ça commence par longer la Broye sur environ 1,5 km pour rejoindre Sion. Et puis après ça sera Vucheran et moi je le couperai après direction Mézières puisque je serai en ligne droite après pour arriver à Cerdion. Cette fois je suis sorti de Moudon, on peut voir en bas la route de Berne qui mène directement à Lausanne, le village de Sion. Et puis cette cuvette dans laquelle il y a la ville de Moudon. Pour la suite, eh ben, c'est de la forêt pendant quelques kilomètres. Alors ici, c'est là que je vais me séparer du chemin numéro 4, la Via Jacobi. Elle continue en face là-bas et puis moi je vais partir ici à gauche sur Carouge, Mézières et puis Cerdion. Donc je serai à la maison d'ici une petite heure environ. Me voici à Cerdion devant notre théâtre Barnabé, pour lequel je fais un peu de pub quand même parce que ça, ils ont de très beaux spectacles et une très belle revue chaque année. Donc n'hésitez pas à venir. Et quant à moi, je vous laisse ici car je suis arrivé bientôt à la maison. Tout bon à tous.